Eh bien, salut tout le monde, c'est Lenzild. Aujourd'hui, on se retrouve sur Heroes of the Storm, autrement dit HOT, en compagnie de Sinowa ou de Xavier. Je pense que j'ai appelé Xavier. Salut tout le monde. Voilà. Donc, on va faire une petite vidéo de présentation. On va vous montrer un petit peu tout ça. Xavier s'y connaît un tout petit peu plus que moi. Il est niveau 16, je suis niveau 3. Alors, bon, voilà. Hein. C'est légèrement le joueur qui a joué beaucoup. Là, il y a un niveau 35. Il y a un niveau maximum ou pas ce jeu? C'est level 40. Level 40, d'accord. Mais lui, il n'est pas loin là, Razor Fail. Heroes of the Storm, c'est un jeu en bêta. Donc, c'était un ami à moi qui m'a passé une clé bêta. Mais malheureusement, j'ai pas pu tourner avec lui. Et voilà, j'ai dû jouer avec Xavier, j'étais obligé. Donc, c'est un jeu développé par Blizzard qui reprend en fait tous les personnages de cet univers. Donc, de Warcraft, de Starcraft. Y a quoi d'autre comme jeu qu'ils ont développé? Alors, il y a StarCraft 2, Diablo, Ah oui, Diablo, voilà. il y a World of Warcraft, ou Warcraft pour les connaisseurs, Yes. et je crois que c'est les trois jeux, enfin, c'est leurs trois jeux principaux. Voilà, donc c'est une sorte de League of Legends en fait, mais moi que je trouve bien mieux que League of Legends. C'est un, Alors, comment t'appelles ça, un MOBA? oui, c'est un MOBA. En fait, c'est la licence Warcraft 3 où ils ont mis un mode qui s'appelle Dota et ça a créé le mode MOBA qui est ben, comme tous les jeux que vous connaissez, par exemple Dota 2, Dota 1, League of Legends et Heroes of the Storm. D'accord, donc le jeu va sortir normalement le 2 juin. Je sais que le 1er juin, ils vont faire une soirée d'inauguration. Vous pourrez regarder en vidéo. Je ne sais pas s'il sera gratuit ou payant. Alors, il sera gratuit. Il sera gratuit, oui. De toute façon, je pense que ce jeu est quand même fait pour concurrencer League of Legends, non? C'est un MOBA, quoi. Vu que Ouais, c'est c'est eux un qui MOBA. Mais l'ont bon, je pense que ça a quand même essayé de le concurrencer. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs assez sympathiques. Donc déjà dans la boutique que Xavier m'a montré. Regardez. Donc là vous cliquez sur un personnage par exemple. Vous Oh, allez quelle cliquer là, vous allez puissance! secouer. Et voilà. Et le personnage est assommé, ça ne veut rien dire. Donc les développeurs ont eu beaucoup d'humour. Il y a quoi C'est d'autre aussi? Ah oui, il y a le crabe. Ah, le Fais crabe. les Vikings perdus. En fait, là, t'as les trois qui sont assommés, donc c'est assez drôle, vu qu'ils sont trois. C'est Ah un oui. personnage spécial un peu. Donc là, quand vous êtes au menu, vous avez une petite étoile ici, vous cliquez, une autre étoile va apparaître ici, une autre étoile, une autre étoile, une autre étoile. Voilà, donc là, ça va faire un symbole. Et le petit crabe qui s'appelle Krabby, donc salut, c'est moi, c'est Krabby. Alors comme ça, on est à la chasse au clin d'œil, d'accord, j'ai pas eu le temps de lire, bon bref, c'est pas grave, donc on va débuter. C'est moi le chef du groupe ou c'est toi? C'est toi, mais juste un truc. En fait, comme MOBA, il se différencie parce qu'il a plusieurs maps. Oui, voilà, c'est vrai. Que League of Legends, il n'y a qu'une map. Donc, toi, tu as Kael'thas, donc c'est celui qu'on a vu s'assommer. C'est un assassin. Moi, j'ai pris Malfurion, donc tu me l'as conseillé. Oui, Boss. c'est assez bien au début. Donc, c'est un mec soutien à distance, d'accord. Soin de ses alliés leur rend du mana capable de révéler et d'immobiliser les groupes ennemis en face, donc je ne pourrais pas tuer les gens en fait. Ça dépend, mais le but, ça va être surtout de les faire chier, en fait, d'être des sorts. D'accord. Ok, Et ok. aider les alliés, c'est Donc le moi j'avais soutien. déjà joué avec Muradin, tu sais, c'est le Ah, petit nerd. Muradin, il est bien. Ouais, Muradin, et j'y ai joué, ben, mon personnage était niveau 2, mais il n'est plus gratuit. Donc en fait, ça change tous les combien de temps les personnages gratuits? Toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous aurez 5 personnages gratuits, si j'en compte. Enfin, un nombre certain de personnages gratuits, en fait, pour pouvoir les tester. Et pour pouvoir, bien évidemment, si vous débutez. Oui, voilà, déjà pour les tester et pour pouvoir commencer à jouer. Ensuite, vous aurez de l'argent, donc c'est l'or, je crois, oui, c'est ça. C'est de l'or, et avec cet or, vous pourrez acheter vos personnages ou alors avec de l'argent réel. Bon. Voilà, on va pas acheter avec ça. Moi, j'avais testé Arthas, le, tu sais, l'espèce de guerrier avec la grosse épée. Ouais, Arthas, bon, pour ceux qui connaissent, c'est l'un des personnages principaux de l'histoire, Ouais, de voilà, donc Warcraft. là vous voyez, on peut voir les univers, donc Warcraft, on peut voir que les univers de Warcraft, enfin les personnages issus de l'univers de Warcraft. Ensuite, on a Starcraft, voilà, Diablo et Blizzard Classic, ça je ne connais pas. Ah, mais c'est tous les joueurs, je pense. Y a juste ouais, les Vikings perdus. Oui, Ou effectivement, enfin, les Vikings c'est perdus. d'un autre genre en fait. Ok.
Ils sont Ok, bon, sympas, on d'accord. dirait Astérix et Obélix, avec un autre mec. Bref, donc, alors on va virer ça. Donc moi je choisis Malfurion. Et Arthas, tu sais pourquoi je l'avais pris? Non. Parce qu'il a une grosse épée et que c'est proportionnel à la bite. Voilà, c'était gratuit. Mais oui, monsieur, Mais magnifique oui, donc personne. moi je suis prêt, donc recherche de partie rapide, on va attendre un petit peu. Donc, ouais. Bon, bah, Temps on d'attente lance un peu estimé, du mal. 27 secondes, ok c'est parfait. Ils ont tous la main pointée comme ça. AV. Allez. Moi j'ai un gros Ça bâton avec une lune dedans, et toi t'as trois petits trucs qui tournent autour. ouais, bah, si tu veux, Malfurion, c'est genre le chef des elfes. Ah. Qui est marié avec, tu sais, c'est like l'arc. Qui a un peu une tête qui a les cheveux verts aussi. Ok. Qui est blanche. Ok, ah on a d'autres persos, donc on a Muradin là que j'aimais beaucoup, franchement je l'ai testé. Et il m'a beaucoup plu. Ah la baie de C'est cœur le roi noir. de la montagne. Donc la baie de cœur noir, donc vous avez plusieurs maps et en fait chaque map se différencie des autres en fait, donc déjà par les graphiques et aussi par les objectifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là dans la baie de cœur noir vous avez donc cœur noir, c'est lui là, le mec avec sa grande épée, son flingue. En tuant des ennemis, vous allez ramasser des pièces. Et ces pièces, vous allez les amener à cœur noir. Et avec ces pièces, il va pouvoir bombarder les défenses aux ennemis. Donc je vous explique un petit peu. Il y a une défense, donc votre défense à vous, votre base, à gauche. À droite, il y a la défense des ennemis. Donc plusieurs lignes de défense que nous devons détruire pour arriver. C'est un espèce de dragon qu'il faut détruire. C'est Comment quoi? ça? Je comprends C'est-à-dire, pas tu sais, là. on doit détruire leur totem, enfin. Oui, non, oui, ils ont leur, une base, c'est pas un Nexus dans l'île. Voilà, le Nexus, c'est ça. Ouais, c'est Et Nexus. donc, bon, le bombardement va permettre, en fait, de détruire ces lignes. Et donc, chaque map a ses différentes caractéristiques. Je sais pas si c'est que moi, enfin, si c'est mon PC qui est très lent, ou alors c'est le jeu, parce que les maps chargent toujours très lentement. C'est moi ou. Ouais, non, en fait, c'est tout, c'est tout. En fait, quand tu vois ton chargement, en fait, c'est tous les chargements regroupés. C'est pour ça que c'est. Ah d'accord. Donc, Ouais s'il y voilà a des pour. personnes qui savent pas charger, tu vois, c'est un peu chiant. D'accord pour que tout le monde puisse. Mais après, ce qu'ils aient bien, c'est qu'ils mettent les objectifs, du coup. Oui Du coup, voilà ça permet de faire un briefing. en fait, le but dans The Heroes of the Storm, par rapport aux autres MOBA, c'est qu'en fait, tous les objectifs ne sont pas là pour vous booster, vous. Mais soit votre équipe avec les niveaux, ou soit pour attaquer les défenses ennemies directement. D'accord. Donc là, nous voilà dans le jeu. Donc le jeu que personnellement je trouve très très joli. Donc voilà notre petit personnage avec sur un petit cheval. Donc la monture qu'on peut personnaliser. Le champ de bataille nous Toi, délivre. tu as une autre monture? Non, j'ai vu un ami qui avait une espèce de chèvre. C'était n'importe quoi. Je te propose qu'on reste ensemble parce que moi, du coup, je ne connais pas trop Ah bah mes vas-y, viens, attaques. viens. Viens là où je ping. Voilà. Je ne fais Viens qu'un. là. Ok, tu es là-bas. Donc, en bas à gauche, vous avez la tête de votre personnage avec votre vie, sa barre de mana. Donc, le mana, c'est l'énergie que vous avez besoin pour lancer des sorts. En bas, vous avez vos sorts. Donc, sur les différentes touches. En bas à droite, vous avez la carte. Vous appuyez sur clic droit donc pour vous déplacer et pour attaquer aussi, je crois. Donc, je te suis. Ok, là, il y a du people. Vas-y. Ok. Je comprends rien. Je te soigne. Je suis mort. D'accord, on Bon se alors, barre! ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y avait personne qui est venu nous aider. On a fait les cons, on est mort. D'accord. Voilà, c'est En what fait, the on a fuck. fait tout. Donc, on a des capacités, enfin des espèces de. Ouais, qu'on appelle. Des talents, ouais, des Talent. talents. Augmente les dégâts non héroïques, augmente la récupération des points de mana pour la glove d'invocation. Bon, des coups de lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, rend à l'allié ciblé 52 points de vie, d'accord. Instantanément, 130 points supplémentaires en 10 secondes. Éclat lunaire inflige 40 points de dégâts aux ennemis dans la zone ciblée et les révèle pendant 2 secondes. Eux, s'armant, immobilisent les ennemis dans la zone et leur inflige, d'accord. Aider, rend au héros allié 100 points de mana en 10 secondes. Mais c'est Au super. nom de Cérébus, Où tu es? je suis encore en haut. D'ailleurs, je t'attends énormément. Bah, en fait, c'est super important que tu sois là rapidement, en fait. D'accord, je vais arriver. Oui, c'est vrai que je vais remplir ma La fonction. particularité de ces jeux, c'est que c'est très rapide et assez. Et c'est très tactique aussi, non? Oui, c'est très tactique et Au nom très très de rapide, donc il faut Cérébus. toujours être à fond, en fait. Ok, alors je suis là, donc voilà, nos défenses tirent sur les ennemis. Il y a aussi des bots en fait qui sont censés vous aider. Oui.
Voilà, les voilà, Donc les ça, petits c'est bots. les sbires, donc c'est dans tous les MOBA, tu vois. Par exemple, il y a Goku. Bon, bah. Putain, et je me fais niquer par des petites merdes, quoi. Mais c'est normal, il faut que tu te caches derrière tes petites merdes. Oui, voilà, mais j'essaie, tu sais, un petit peu. Attends, Alors, je vais essayer de me soigner pour voir. Vas-y, on va prendre ce point. On va prendre ce point pour avoir la vision. Ok, donc à quoi sert ce checkpoint? D'accord, avoir une vision plus élevée. Alors on va essayer de prendre ça, tu vois. Ok, donc ça c'est quand vous permettre en fait de... De gagner des pièces. Voilà, de gagner des pièces. Tiens, je te régénère ton mana. Voilà, de gagner des pièces, et ces pièces donc elles vous serviront à aller voir Or Noir. Comment il s'appelle? Ouais, Cœur Noir. Cœur Noir, voilà, Cœur Noir. Tu me dis si t'as besoin d'aide, du coup je reste derrière toi, et si vous mourrez, ben, vos pièces tombent par terre. Je te propose d'aller voir Cœur Noir, non? Bah d'abord on va prendre ça, qui va nous donner encore des doublons. Mais de toute façon, toi t'as 0 doublons pour l'instant. Ouais, ok. Tu me dis si t'as besoin d'aide, attends, je te heal. Ouais, c'est bien. En fait, ouais, moi je suis un assassin, du coup il va falloir que tu me prennes. Mais Kel'Thalas, en fait, son truc bien, c'est qu'il a des sorts de zone énormes. Ok. Donc, alors attends, je regarde juste un petit peu mes talents. Ouh là, attends, tu te fais défoncer. Non, là je la défonce, hein. T'as vu ce qu'elle a pris et ce que j'ai pris moi. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est Vala. Vas-y, on peut aller les embêter un peu là. Ok, ouh là là. Y'a du people, ça y est, c'est la fight. J'espère que vous aurez pas de lag. Tiens, je te heal. Un petit ennemi abattu, attends, je me recule. Vala, c'est l'un des personnages. Tiens, je te soigne, toi. Double meurtre, voilà, joli. Ouais. Tiens, je te soigne, toi. Non, non, je vais pas réussir. Ah, je me fais poursuivre par un méchant monsieur. Donc, alors, j'ai un talent que je n'ai pas eu le temps d'exécuter. Ça remonte de naissance à un tréant, c'est quoi ça? Oh, c'est pas mal ça. Réduit le temps de recharge, je pense que je vais prendre ça. Au nom de Scénarios. Après, bon, moi je suis pas très fort à ce MOBA par rapport à League of Legends où je suis. Oui, t'as un plus haut level. Enfin, pour certaines personnes, c'est un haut niveau, mais bon, je suis pas challenger. Oh putain, on se fait attaquer, je peux rien faire. Donc là, vous voyez, c'est lui, cœur noir. Moi je vais me barrer. Là, mec, là, vous êtes 3, je pense que tu peux essayer de sauver Jana. Non, c'est bon. Alors là, vous voyez, on a un camp de siège. Donc c'est pour obtenir des mercenaires. Donc en fait, eux, ils vont aller attaquer les ennemis. C'est plutôt badass. J'aimerais bien te savoir où tu es. Moi, je suis avec tout le monde en fait. Ok, ah bah oui, t'étais juste là-bas. Donc on regagne notre vie petit à petit, d'accord. Alors attendez, ça sert déjà. 30 dégâts supplémentaires au sinon héroïque, ok. Donc en fait, A&D, c'est des soins pour vous. Je vais arriver. Ah, je suis mort. Ah, désolé. Les mecs, aidez-moi, disons que... Putain, je me suis fait tuer. Merde, excusez-moi, j'étais sur... J'étais trop à gauche. Tu veux pas m'attendre? Juste, j'arrive là dans 5 secondes. Bah là, cette vidéo, en gros, c'est surtout une présentation du jeu et pas vraiment un truc genre haut level. Parce... Ouais, voilà, bah de toute façon, avec moi, je pense qu'ils ont l'habitude. C'est jamais du haut level. Ouais. Tu es tout en haut, c'est ça? Quoi? Tu es tout en haut? Ouais, là je suis en haut en train de... En fait, tuer des sbires, ça te donne de l'XP à l'équipe que tu peux voir en haut. Et tu peux voir nos niveaux en haut. Donc moi j'ai envie d'être ça. Il y en a aussi de l'autre côté. Ouais. Il y a plein de sites là pour si vous voulez vraiment... T'as vu ce que j'ai invoqué la petite bête là? Ouais, c'est toi qui l'as invoqué. Ah, talent. Alors, croissance pour l'enjeu, augmente la durée de rétablissement, réduit le temps de recharge. Ma petite boule est morte. Vas-y, le temps de recharge, la capacité. Bon, enfin ça. Anudora. Ok. Tu as besoin de heal peut-être? Pour se faire, c'est genre d'aller un peu sur toutes les lignes pour pouvoir détruire un maximum de monstres et comme ça on va gagner plein de XP. Canon de boulet restant. Oula. Là, ils ont payé les pirates. Ah oui, voilà, ils ont payé les pirates, donc là on a pris cher. Je te propose d'aller les payer, moi j'ai 2 pièces. Mec, pas tout de suite, là ils sont sur la base. Ouais, là ils commencent à bien détruire nos défenses, donc nos défenses on les voit aussi sur la carte. Donc excusez-moi si je suis vraiment pas attention à tout. Hein. De toute façon, on
niveau n'est pas Vas-y, je top. défends le mid avec vous. Ah, là, ça va se faire défoncer. Voilà. Est-ce que je peux healer les bâtiments? Non? Gagne la grâce à ça. Bah, c'est. Ah. Oula. Vas-y, vas-y, vas-y. J'essaye de les zoner un peu. Mec, attends, tu peux pas les battre. Non, non, mais j'ai en fait. Ah, aide-moi. Non, mais c'est ce que je te dis, tu peux pas les battre. Non, mais tu sais, j'essaye surtout de te heal en fait. Donc, cette fontaine là, ça sert à vous régénérer votre vie et votre mana. Regardez, je bois à la fontaine du Jouvent. C'est quoi cette zone rouge là où tu es? Fais gaffe, ça arrive, il y a un gros monsieur. Oh, par contre, là, il a fait un 2 trucs de salaud. Il a Alors, je t'ai healé un petit peu. T'as besoin de mana? Oui. Mince. Ok, donc ça c'est mes attaques. Là on va éviter. Vas-y, on va essayer de prendre ça. Bah, je vais mettre mon tueur W, je pense que c'est ça. Je te suis, moi je connais vraiment rien. Ah, ils sont pas en train de nous attaquer en bas à gauche? Ouais, mais moi je préfère attaquer là plutôt qu'aller aider les ennemis, je pense. Au pire, on est derrière. Vas-y, on va les aider. Non, viens les aider. Bon, comme ça on va tous les tuer là. On va se ramener, on va tous les tuer. Ok. Moi j'ai deux doublons sur moi, donc j'aimerais bien quand même ne pas les perdre. C'est moi ou tu es retourné à la base? Ah non, tu es là. Ok. Qu'il en soit ainsi. On s'en va. Tu peux m'aider? Ouais, t'inquiète, je suis là. Merci. Bon, là ils vont livrer tous leurs doublons. De toute façon, on peut pas faire grand chose là pour notre équipe. Oh, et là d'un coup notre dès qu'on s'en va, l'équipe elle est là. Ouais, on va devoir les aider. Hein. Ouais, ils font n'importe quoi. Bon, là c'est vraiment pas du haut niveau. Hein. Ouais. Juste que les gens font. Bon, bon, vous avez un petit aperçu du jeu. Ouais. Là je te heal. Oh, le heal qui passe bien. Non, je suis aveuglé. Ah, ta gueule, Jason. Vas-y, on les attaque. Moi je vais tuer, voilà, je vais tuer Lily là. Joli. Vite, moi je me retrais. Help. Ah, dommage, elle m'a eu. J'ai un nouveau talent. Alors, ah, ça c'est ma capacité héroïque. Soigne tous les alliés proches sur la durée. C'est bon ça. Ah, une nouvelle capacité qui pourra te soigner si tu es à côté de moi. Il reste que plus que 6 boulets, donc 6 boulets de canon. Je te propose d'aller quand même les. Bah, en fait, faut déjà avoir des doublons en fait. Ouais, moi j'en avais deux, à chaque fois je les perds bêtement. Ouais, bah en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre ici en fait. Ok. Je pense qu'on va les défendre ici, tu vois, pour éviter qu'ils nous donnent des doublons et essayer d'en avoir. Ok, là, on va détruire ces monstres. Évite ça parce qu'ils font vraiment très mal en groupe comme ça. Ouais, moi je leur ai mis un petit truc, là ils prennent cher. Ça attaque, ça les tue normalement, voilà. Voilà, là ça les a tous tués, là il faut prendre ça. Et là il y en a... Les petits donnent pas de petits trucs, hein. Enfin les... Oh là là, j'aime tellement la petite bête là, enfin l'arbre qui sort. J'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup de dégâts, mais c'est stylé. Au nom de Scénarius. Bon, moi je vais essayer de péter les tours. Okay. Oula, ça attaque chez nous là, non? Non. Enfin, à chaque fois j'ai l'impression de voir. Là, ça peut rapporter le... Ah oui, ça c'est les cogneurs, d'accord. Donc, vous voyez, ces cogneurs ils vont aller attaquer les ennemis. Ils ont. Oui, allez, fait... j'arrive. Viens avec moi, viens les aider. Oui, j'arrive, je suis là. Je ne fais qu'un. Ah, là, c'est peut-être trop tard. Là, je pense qu'on peut faire un truc genre elle. Elle, là, elle va trop loin. Attends, moi j'ai pas mis ma monture. Oula, attends, non. Putain, je vais pas mourir. J'en ai tué une. Hein. Je vais peut-être en tuer deux. Non, c'est pas assez. Bon, je peux y en tuer deux. Elle, tu peux. Non, mec, t'as pas les dégâts. Ouais, je peux pas. Je n'avais pas, oui, mon niveau de noobitude, mais bon, c'est pas grave. Ils ont quand même pas mal de doublons hein, chez les ennemis. Ils font n'importe quoi là, nos alliés. Genre, on arrive, ils s'en vont, et on regarde, on meurt, ils viennent. Mm-hmm. C'est ça. Donc, ça, c'est notre chaude faute, mais pourquoi là. Les héros reçoivent de façon passive des soins périodiques de rétablissement, augmente les leurs. Vous voyez, moi, je suis vraiment pas du tout. Ah, vous voyez, c'est ça notre totem là, c'est Poséidon. Sur une autre map, c'était un dragon. Je sais pas du tout si on aura le temps de faire une autre map. Ça dure à peu près combien de temps? Ça dure moins de temps que les parties de LoL.
Très bien. Mais ça dure, par exemple, moi je dirais une vingtaine de minutes. D'accord. Oui, après ça dépend aussi. C'est pas foufou, mais. Bon, par contre là, F, faut vraiment la tuer. Elle va toute seule là, elle va mourir bêtement. C'est pas très bien joué, ça va. Ah, on l'a eu. Joli. Joli triple meurtre, tiens, marqué. Vous voyez ce qu'ils ont fait là? Faites pas ça chez vous. Ça s'appelle du suicide. C'est ça. Bah, c'est ce que j'ai fait au moins beaucoup de fois. Attends, je te heal. Voilà. Quand vous voyez 5 personnes, n'allez pas dedans. C'est ça, c'est exactement ça. Attendez votre équipe. Ah, y'a un mec. Je vais l'embêter. Attends, je te heal. Au nom de Célarius. Moi, je vais aller. Viens. Faut aller, on va aller détruire le top. Donc, les lignes ont des noms. Donc, le top, c'est. Top, c'est le terme en anglais. Il y a le mid pour middle et bot pour bottom. Ok. Donc, c'est de l'anglais. Ça, c'est le langage des gamers, ça. Quand on fait une attaque, on reste sur son cheval ou pas? Non. Ah, dommage. Bah, sinon, ça servira à rien. Non, mais quand tu prends un coup, ça devrait le faire, tu vois. Oula, on a des gros mecs musclés là, carré. Là, tu prends. Mais en fait, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Tu peux pas utiliser tes sorts ni rien. Tu peux rien faire si tu bouges pas. Bah, à part te déplacer plus vite. J'ai un nouveau talent. Ralentis les cibles. Réduit le temps de recharge des capacités quand les points de vie sont proches du maximum. Je vais prendre ça. Ça ira très bien. Là, je vais faire des petits trucs. Je te suis. Là, on arrive en force. Mais en fait, regarde, là ils sont tous en bas, tu vois, du coup là on est un peu tranquille. Oula, c'est quoi ça? Regardez. Là, ils sont tous en bas, du coup on est un peu tranquille là pour détruire la ligne. Ouais, donc voilà, là vous voyez, ça c'est les tours, elles vont nous tirer dessus. Moi je vais pas me mettre là, je vais te healer si tu as besoin. Tu me dis si t'as besoin de mana. Ah non, mais je vois, t'as pas. Cassier? Elle tape d'abord les petits trucs, c'est bon ça. Bah ouais, sinon ça serait un peu con, tu vois. Faudrait jamais attaquer. Moi j'attaque ça à distance comme une vieille fourbe, c'est leur fontaine de jouvence. Oh, on voit pas trop, là ils sont tous morts, donc là on est un peu. Mais on voit pas trop où ils sont, mais en fait si, tu vois. Tu me dis si t'as besoin de mana, moi je peux te régénérer. Oula, ils arrivent. Mais qu'est-ce que tu dis là, ils arrivent pas du tout. Je pense qu'on peut faire un truc, si tu gères. Tu gères, je soigne. Ah, c'est bon. Là ils sont tous là. Aïe. Je te soigne. Bravo héros. Vas-y. Vas-y, on essaye de tuer elle, tu vois. Voilà. Donc là regarde, regarde leur nullité quoi. On était 2 contre 3, ils ont rien fait, ils ont rien pu. Ah là, y'en a une derrière nous. Bah tu es. Voilà, elle est morte. Là normalement elle est complètement morte. Oh oui, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu tout seul. Bah, par contre, je vais crever. Non, je crois que c'est ma pompe qui l'a tué. J'ai l'impression de lui avoir mis une attaque. Attends, t'as plus de mana. Hop, t'inquiète, moi je suis pas obligé d'avoir tout le temps de la mana. J'ai un sort qui me coûte 0 mana si je l'améliore. Ah là, il prend plus de bombes celui-là. Go. Oula, ça se fight. Je retourne en arrière. Tiens, je te. Non, je t'ai healé. Non, peut-être. Bah, attends, pour plus vite. Je ne peux pas, ils me rattrapent! Ah là, ils t'ont ralenti, t'es mort. Non. Ah, mais surtout, tu sais, il y avait Vala qui m'envoyait des. Une minute pour attendre! Ah, et là, c'est la fin de partie. 15-45, c'est la fin de partie, là. C'est ce jeu, là. Ouais, bah écoute, on a bien avancé dans leur ligne. Hein. On est bientôt. Ouais, là, c'est le Nexus, donc c'est là où ils respawn, en fait. Explique en quoi notre mort est intéressante. En fait, ils ont mis déjà du temps à nous tuer. Oui. Et pendant ce temps qu'ils étaient sur nous, tu vois, ils étaient 3 sur 3 ou 4, tu vois. Du coup, ils étaient pas sur les autres. Mm-hmm. Et les autres, pendant ce temps-là, ils attaquaient leur ligne. Du coup, nous deux, on meurt peut-être, mais les autres, ils étaient en train d'attaquer. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on peut gagner facilement. D'accord, ouais, c'est vraiment un jeu de stratège. Et là, t'en as pas mal, regarde sur la droite, enfin en bas. Ils sont en train d'attaquer. Ils ont des sbires, ouais. On a des sbires là qui sert des canons. Ça rend pas mal. Oh, il y a quelqu'un que personne n'a vu qui allait donner des bombes. C'est lui, ouais. Je crois. Ouh là, il défonce nos murailles. Mais c'est pas grave, nous on les a beaucoup plus défoncés. Bon, maintenant qu'on a l'avantage
sur un peu tout. Je pense qu'on peut aller prendre des bons et les payer après. Ok. Alors, moi j'ai respawn, c'est bon, je ne sais pas où tu es. Moi je suis au bout de la map. D'accord. Un petit temps. Là ils commencent à détruire nos défenses, là ils peuvent rentrer chez nous comme ils veulent. Augmente les points. Non, parce qu'on est là pour les attendre s'ils rentrent chez nous. Au nom de Scénarius. Ouais, mais là tu sais ils commencent à bien péter nos bombes, enfin nos protections. C'est quoi ça? Wow, c'est le bordel là. Là c'est un peu le bordel. J'arrive. Tiens, prends toi du heal. Là c'est le moment. Ok, what? Bon, c'est pas grave, moi j'ai fait les dégâts. Donc, comme tu le vois, dégâts de héros, j'en ai fait 41 000. J'en continue à en faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Oh là, il y a plein de doublons. Ouais, ouais, vas-y. Je prends tout, je fais payer. Non, aide-moi. Voilà, parfait. Mais non, prenez les doublons. Ils sont tous pas en face. Il y a juste Diablo qui a survécu, mais normalement. Ah non, il y en a. Attaque-le. Faut que je me barre. Alors mec, je pense que t'aurais pu la sauver et vous auriez pu le tuer. Ah bah après, désolé. C'est... Non mais t'inquiète mec. Je gère pas encore assez le jeu, désolé. Les MOBA au début c'est super compliqué. Mourez. Je vais boire à la fontaine de jouvence. Putain, tellement je fais pas de dégâts quoi, c'est impressionnant. Voilà, ouais, après chaque. De toute façon, chaque classe a ses particularités. Ouais. Oula. Bah, en fait, pour ceux qui s'intéressent un peu au lore, c'est vraiment une. T'es vraiment content de pouvoir jouer tes personnages préférés de l'histoire. Ouais, voilà, je pense que c'est. J'ai 7 doublons. Tu viendras avec moi au milieu pour que je les pose. De quoi? Mais je vais payer. On va détruire les coffres. Oh putain, y'en a un qui arrive. Aide-moi. Ah putain. Oh, j'arrive. Ils sont deux, je me. Non, faut que j'aille t'aider. Allez, crever. Là, de toute façon, je sais même pas si j'ai besoin d'utiliser mon outil. Je lag. Ok, les mecs, protégez-moi, je. Tu ne m'as pas. Faut aller prendre des doublons là. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Ok, je livre les doublons. Ok, c'est parti. La nature m'appelle. J'ai livré, je crois, j'ai livré 7 doublons. Je suis plutôt fier de moi. Ah, attends, toi. Tiens, je te soigne. Non, là, de toute façon, il va donner assez de doublons pour pouvoir attaquer. Ok, on va observer. Voilà. Donc là, du coup, il a pas dépensé tous ses doublons, il lui en reste 2. Ah, regardez, là, ici, ça va prendre cher. Ah oui, là, ils vont prendre bien cher. Hein, alors. Oh. Parce que... Alors qu'il en reste très peu de bâtiments. Allez, là je pense qu'il faut aller les attaquer, on va les finir là. Bon alors je te montre, en fait en haut tu vois t'as les niveaux de service, ça nous augmente nos dégâts en fait. Mm-hmm. Et quand tu... Ah oh, tous venez là, venez en haut. Il y a un... Genre ce monstre il est gay quoi. J'arrive en haut. Mais en fait ça s'appelle le boss en fait, il est vraiment énorme. Alors c'est presque intuable. Là je vois ils sont chez nous là non? Bah oui, bah venez. Ah ouais, je le vois. Oh putain. Tout seul, hein. J'arrive. Vite, tu sors. Allez, on va le tuer, moi je me suis mis sur lui, tel un branque. Oh c'est bon, on a eu tellement de chance là. Il aurait pu détruire notre force si vous n'étiez pas venu à temps. Ouais. Oh. Oula, ça va arriver, ça va arriver. En bas. Ah mais j'ai une nouvelle capacité R. Par seconde, ah oui, aux alliés. Capacité là. Non mais j'ai, enfin tu sais j'ai augmenté, enfin j'en ai augmenté une mais je ne faisais pas attention, ça rend des points de vie aux alliés. Donc ça pour les attaques de groupe c'est pas mal. Bah en fait ce qui y a un truc avec les capacités en fait c'est que les capacités. Putain. Le fils de pute. Les talents en fait que tu prends, tu pourras en débloquer avec les niveaux de héros. Donc plus tu avances, moins plus tu t'en prends en fait. Je me suis fait tuer, désolé. Non, je savais qu'elle était là. Ah fais gaffe, te fais pas baiser.
Wow, c'est super stylé le phénix. C'est mon ultime. Attends 2 secondes, je m'absente quelques secondes. Vas-y. Ah, désolé des petits lags, franchement, mais ça c'est mon PC. En tout cas, le jeu vraiment super. Parce que vous voyez, moi en filmant, et surtout avec mon PC qui a 3 ans déjà, c'est un PC portable, il n'est pas du tout fait pour gaming, j'arrive largement à le faire tourner. Donc, franchement, n'hésitez pas à le télécharger, c'est super. Si vous aimez pas, Ouais, bah le 2 vous. juin. Le 2 juin. Le 2 juin, voilà, on vous attend. On C'est vous attend ça. tous. Je serai là pour vous accueillir, même si vous ne savez absolument pas qui je suis. C'est ça. Désolé. Bon, regarde, là tu vois tous ces monstres là en haut. Si on vient tous en haut, je pense qu'on peut finir. Ouais, là, putain, ça avance en masse. Ouais, non, venez, il faut venir là. Où? Là, je ping comme un gros taré parce qu'il faut absolument venir là. Ok, au milieu, c'est ça? J'arrive au milieu. Là, je la bloque, elle peut plus s'enfuir normalement. Là, elle a pas de dégâts. Elle a absolument aucun dégâts. Là, elle peut plus s'enfuir. Oh là Voilà. là là Vous là! On était tous sur elle. Et là, je vous soigne tous, je suis trop content, pardon. Et donc, on est parti là. Allons les achever. Bon, je suis mes potes parce que je pense que je peux les aider en fait. Donc là j'ai 8 du bois à peu près, donc je vais les rendre et on va finir la partie. Ok. Je pense qu'on va bientôt finir parce que là le fort. En fait dès que tu détruis les forts les 3 derniers forts en fait, c'est comme les inhibiteurs dans League of Legends. Vous avez des meilleurs sbires sur chaque ligne. Donc là j'ai donné l'argent. Du coup là on va bientôt finir. Et moi j'attaque avec les sbires hein, parce que. Ah, état de l'idole 96% et nous 100%. Ok, super. Vas-y. Là on va la Ok, péter. moi je vais vous heal. Là on a gagné normalement dans la logique. J'ai quelques dégâts. What? Ça part en steak. Et oui, la victoire! Ah oh, oui. Oh. Oh, ben bien joué, écoute, hein. Ouais, et Victoire! après tu vas gagner beaucoup de trucs normalement. Tu as gagné. Tu as gagné pas mal de trucs. Et en fait, vu qu'on est en tous les deux, on gagne 50% d'XP supplémentaire. Sérieux? C'est plutôt pas mal de jouer à plusieurs. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Voilà. Donc là, normalement, quand tu gagnes des niveaux avec le personnage, tu gagnes des capacités au début, puis tu gagnes des bonus et tout. Ouais. Et après, tu gagnes des niveaux avec tes niveaux normaux. Ok. Voilà. Bah écoute, c'est quand même super sympa ce jeu. Moi, mon écran. Ah voilà. Ok. Oh, j'ai 2050 pièces. What? Gain de nouveau héros, Alors. capacité héroïque. J'ai gagné 1000 or. Talent avancé. Et c'est super. Franchement, c'était super. Alors, je te conseille juste la boutique. Oui, alors Pour attends. 2000, il y a plusieurs héros qui sont super intéressants. Alors attends, j'ai gagné 222 000 XP et 1030 d'or. Donc moi je suis niveau 4 et au niveau 6, donc j'aurai des quêtes. Donc apparemment tu m'as dit qu'ils me permettront d'avoir plus de d'or. Oui, Niveau c'est ça. 4. Ok. Et Malfurion en une partie, il est monté niveau 3. Ok, alors oui, dans la boutique, oui. Je te laisse tout seul, moi, c'est temps pour moi de vous quitter. Ok, tu Parce veux que que j'aille voir quoi dans la boutique? Juste les personnages? ouais, il y a des personnages qui sont très très intéressants pour demi. Ok. Mais genre vraiment très intéressants, genre Muradin ou ETC, qui sont les meilleurs tanks du moment, je trouve. Ok. Donc, bah, écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un petit j'aime ou un commentaire pour nous dire si ça vous a plu et comment vous trouvez ce jeu. Moi, je vous dis à la prochaine. Xavier, es-tu encore là? Oui. Non? Ah oui, c'est bon, celui-là. Bon, mais au Je vous fais revoir. des bisous. Oh. C'était Elendil sur Heroes of the Storm.